Odessa était up en armure, mais bon, ça reste compliqué. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que Gali, vu que ça a peu d'armure, mais en même temps, son pouvoir héroïque peut l'aider à valider certaines quêtes. Donc, parfois, ça peut compenser. Il y a LM, il y a Pirate. Ouais, go. Gallywix, c'est très fort, mais le danger, c'est d'avoir trois quêtes de merde et d'avoir un early bidon et tu te fais laver. Donc, il y a quand même un risque de top 8. Hein. Gallywix, c'est forcé Uran a fait top 7 sur la game. Oui, pas choquant, hein, c'est le risque. J'aime bien acheter et jouer au prochain tour si j'ai une carte écho ou quoi, je peux faire les deux ou au pire je peux hop et acheter un sort, on va quand même faire ça. Ça. Là l'idée c'est qu'au prochain tour j'ai 5 gold, donc si j'ai le moins plus j'achète, je vends, j'achète un autre truc. Et autrement on verra, on s'adaptera. Il y aura des plays à faire. Hein. Genre je peux très bien choper un spell à 2, plus achat, je peux très bien hop, plus acheter un spell à 1. J'ai pas de possibilité avec 5 gold. Mais le meilleur scénario étant pour moi d'avoir élément plus un sort à 2. Ce genre de choses. Unlucky. Ouais, la quête, ça va être ultra important pour nous. Pas comme pour tout le monde, hein, mais. Il y a des quêtes nice. Il y a des quêtes qu'on peut tracer. Ah, j'aurais bien gardé en main, mais j'ai 34 points de vie. Je joue Gallywix. Je suis pas sûr que je peux me permettre de grid, honnêtement. Dragon, 1, 2. J'ai juste joué ça. Je vais garder ça. C'est pas grid, là je peux pas perdre comme ça. J'avais peur qu'il ait ça et qu'il lui donne trop d'HP. Du coup j'étais quand même obligé de jouer ça. Je pouvais pas ne pas jouer ça. Fallait au moins que je joue ça. Pour être sûr de pas perdre. Pan! Je pense que c'est quand même ok de faire ça sur ce tour. De rien jouer. Salut mon pote. Bonsoir Aurélia. On a une quête qui peut synergiser ou quoi, ça peut être big. Hein. Pourquoi tu joues rien? Pour la quête, j'ai quand même envie de rush ma quête. Ok, il a bien joué, il a gardé en masse, c'est parfait. Ça fait plaisir. Ok. Jouer Saekelem Uran, bah on peut la tracer assez vite. Augmenter 20 fois caractéristiques, ça peut long, ça c'est de la merde. Bah c'est forcément ça. Il y a Mecha à la limite. Bon, on veut pas forcément jouer Mecha, mais bon. Est-ce que je peux me la valider maintenant? Deux, trois, quatre. Ouais. Faut voir avec ça aussi quoi. Les quêtes nulles. En vrai, c'est pas nul cette quête. Ça me donne un tempo que j'ai besoin avec Gallywix, mais. Faut que j'aille au prochain tour et je garde un truc en main. Mais c'est ok, ça me va. Quand je pense, je vais prendre Pirate la 3.
Ah, yep. Faut pas qu'on perde par contre. Faut que je valide ça au prochain tour et que je garde un truc en main. J'ai de l'écho de côté, j'ai pas mal d'écho. De toute façon, mon héros est broken si j'arrive à survivre en général leur limite. Donc, c'est pas grave si on retarde l'up du moment qu'on est solide et qu'on fait de l'écho. Ok. Ouais. Jazz, ça, ennuyeux, numéro 2, il y a peut-être des trucs à faire avec ça. Galivix Uran Mecha? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai la sensation que la plupart des cas, ce qui va déterminer le choix d'une quête, c'est pas ta récompense dans la rapidité avec laquelle on la termine. Oui, la rapidité c'est giga important. La rapidité c'est giga important. Pas que j'ai pris ça. Je sais pas, je suis pas un magnétisme. À la limite à deuxième à defecto, mais pas fou. S'il y avait eu un Uran pour ses triplés, c'était bien aussi. Bon, je vais pas forcément jouer ce genre de compo avec Galivix, mais pour manger ça, donc on verra, j'ai 3 paires. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je garde des cartes en main pour scale, pour moi le +12/+12 me donne du tempo de Zaza. Et du coup, une fois magnétisme ou... quoi, si j'ai up, je suis pas sûr d'avoir. J'ai 3 options de triple donc je vais roll ici. Je vais pas up. Ouais, bizarre.
Oh, je vous mets Kyuran Galwix, que je vous dise, c'est pas ce que je veux forcément, mais c'est ce que le jeu veut. Mais t'as envie de faire ça et ça et de poser ça. Avec Gali plus de tunes, ça scale plus en plus vite, c'est vite débile, j'aime bien. Petit jump porte bonheur. Aujourd'hui avancer ça. Hein. Lui faire A2 je pense. Placement est chelou. À droite et hors deux, c'est bien. Garder les gemmes pour attaque, ouais, mais en même temps, il faut pas que je perde non plus, donc j'en ai gardé juste une. Genre, je joue Galivix, sauver une poids de vie, c'est quand même god tier. Et moi, triplé au bout d'un moment ou. C'est comment? Go. On y en main, ça. C'est ça au-dessus quand même. Je peux peut-être quand même virer ça sur ce timing en vrai. Ouais. C'est très bizarre comme compo. Enfin, je veux dire, oui, non, jouer Mecha Uran, ça a du sens, mais avec Galwix, c'est chelou. Mais bon, j'ai Bran pas d'écho. Yep. Et au moins, j'ai la tempo avec ça, donc tranquille. J'aimerais bien quand même up 5, parce qu'en 5, j'ai accès à Murezon général pour l'écho, et je peux aussi choper l'artiste. J'aime bien l'oseille. Trois les gemmes. Ça pourrait bouger. Le problème c'est que je génère pas non plus un milliard de gemmes. Donc ouais. Un, deux, ça peut bouger. Il faudra tripler l'autre. Est-ce que je le bats lui? Je suis pas sûr de pouvoir pick ça. Je suis pas certain. Pas tellement de magnétisme, mais c'est pas fou. Je peux pas piquer ça, c'est pas assez bon. Aïe. Oula. Après, ça me file les magnétismes en main pour ça au moins. Hein. Yep. Yep.
Ok. Peut-être j'aurais dû garder sonneur du coup, parce que je pensais que j'allais virer les deux, mais. Ok. J'ai envie de le foutre là-dessus plutôt. Continuez comme ça. Poissonneur, j'en ai pas énormément besoin encore, en tout cas. Monsieur Patate peut quand même me filer des spells broken, notamment le truc qu'il découvre. T'as un petit peu en tête, bah faire full écho et. Je vais pas forcément absolument jouer avec les mecha Uran plus que ça, juste là il me servent en tempo donc c'est cool mais. Dans l'idée, je veux surtout essayer d'être en gold infini, donc faut que je chope des Murezon, Drakisat, essayer d'avoir Brand Doré, putain, heureusement qu'on n'a pas parié. On s'est fait Scamed. Le mort ? Oh, incroyable. Murezon, Pog. Ouais. Allez, on va quand même le prod pour lui. Hein. Ouh, j'aime bien l'oseille. Nope, nope, nope. Brandori, j'aimerais bien l'avoir. Fait beaucoup de gold de côté là. Pose Bran. Bah, s'il prend le boost, c'est pas grave. Mais j'ai pas envie de poser. 9 gold, plus j'ai joué un ou deux pirates, j'ai beaucoup de thunes. Hein. J'espère qu'il va me filer un truc. Tranquille. D'accord, une game de backpack. J'en referai, mais pas de suite. Là, il y a eu le patch il y a pas longtemps. Donc, j'en referai, je sais pas, d'ici une ou deux semaines peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 8 mars, j'en ferai beaucoup avec le patch qui arrive sur backpack. Mais le 8 mars en ferait beaucoup. Avant, à voir. J'ai beaucoup beaucoup de gold là, j'ai le pari, j'ai vraiment beaucoup de gold là. Pourquoi tu refuses le drone? C'est pas ce que je veux dans ma compo. Genre je joue un paquet du mecha mais c'est pour un tempo, mais moi ce que je veux c'est 3 gold à fini. J'aime bien trouver le Bran avant, est-ce que je up? Genre je pense si je vois le pirate, je le pique et je vire ça hein. Ok. Je suis pas sûr que je le barre. Ah, si, comme souvent. Vas-y. Cat-taunt. Ah, chiant ce truc. Ça pour les sorts, pourquoi pas.
Ah merde, j'ai oublié de jouer ça. J'arrive pas à trouver Bran Doré ou le pirate qui va me filer full thune. Je veux être en gold infini. C'est pour ça que je jouais pas mes cartes de suite. J'attendais de voir si je trouvais pas le Bran Doré, mais j'ai pas réussi à le trouver. Par contre, c'est chiant parce que j'ai oublié de jouer ça. C'est quand même bien relou. Chalga est pas bon. Je vais le répéter combien de fois, les gars. Je veux être en gold infini. Chalga, ça me donne pas le gold infini. Donc oui, Chalga est pas mauvais, mais c'est pas ce que je cherche. Je veux détruire la game. Pour détruire la game, je vais battre Bran ou même Amiral, là je le pique. Hein. Genre si j'arrive à aller setup à double TTS, pour avoir full gold. C'est ça dont j'ai besoin. Nice. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Vous avez ça ? Ouais, triplé l'autre là. Le détournent après, ça me va, je pense. Ok, pas le temps de jouer ça. Il faut vraiment que je chope le Bran Doré et l'âme de rôle aurait été cool aussi. Détourne ça après. Au moins, j'ai des bons trucs à booster. On va deuxième rock'n'rock et bien essayer de choper l'autre pour lui donner le shield et bien. En soit le dragon au pire je peux le bouger hein, mais il est cool quand même. C'est l'aime en vrai, mais pas bien. Ah, j'ai l'aime de rôle parfait. Ah. Vas-y, fais quitte. Ouais, je suis même pas sûr que j'en ai besoin, peut-être un peu trop débile. Y'a plus jamais pas besoin, je pense. On pique le shield. Modalité ok, mais je sais pas si je le rentre. Okay.
Beaucoup de choses à faire là. Bah non, j'ai pas besoin de l'Emerald, en vrai j'ai assez de thunes. J'aurais dû garder Reaper, en vrai je pense que je suis assez riche. Overkill. Mais bon. Si on peut jouer comme un acharné, ça peut le faire quand même, ça peut être rentable. Le maître est vite rentable, ouais mais j'ai peur de mourir là quand même. Genre dans tous les cas je pense que... Juste que clique un peu plus vite si on est bien. Prends ça, j'ai quand même des tonnes, vas-y fais quitte. J'attends depuis tout à l'heure d'avoir le Bran mais je touche pas, c'est con. Ah j'aurais dû prendre l'autre truc là pour le Matador, c'était bien ça. Mais je l'ai de toute façon, ok. C'est jamais, vas-y go. Un peu plus de thunes. Bien l'oseille, nice. Et si j'ai Matador, j'ai déjà ça pour le faire doré. Loul. Matador avec ça doré. Il me faut Matador doré avec ça. Ça, si je peux le tripler, c'est bien. Autrement, on lui mettra un shield. Et je pourrais enfin jouer ça vu que j'ai le Bran doré. Osef de LM de roll, oui, oui. Après, ça peut quand même aider si, si parfois il y a vraiment des tours pas ouf. Bon, là je suis vraiment abusé. Ouais. Surtout que le Bran doré, là, ça devient trop. Mais bon. S'il y a des tours où je dois acheter un ou deux shields aussi à 6 gold, là ça coûte vite cher. Non, je pense pas. On verra si je retrouve un autre avant. Allez, allez. Tu m'attadores là, please? Vous avez du morzon. Hein. Ok, let's go. On sera de faire notre matador doré après. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas que je vais jouer avec de toute façon. Ouais, Osef. Je retrouve le spell à ça qui refait un Matador doré. Juste tout à l'heure je vais pas le pick parce que j'étais pas sûr que j'aurais la thune pour faire ce que je voulais. Il est gros.
Il est gros le gros. Le spell 4-4 de mutané c'est fine. En soi je pourrais le pick pour virer un truc. Oui après pour moi j'ai quand même l'espace. En soi. J'aime bien quand même garder le défecto avec le reset de shield. Je pense c'est cool. Juste faut que je vire le matador et que j'arrive à faire un matador doré. En soi oui je pourrais pick le spell et dire que je boufferais Bran. Ah mais c'est Fazel qui va être relou. Ok ok je vois. Je vois je vois. Bon. Nice. Il n'y a plus qu'un. Je suis pas trop envie de changer de pouvoir, Wick. Hein. T'as toute fin, limite. Pas misclic. Si je misclic, je suis lag. Je vais cliquer la roll. Allez, c'est trop chiant les rolls qui prennent une plombe. Il y a l'autre pour spell mais j'ai clairement pas le temps de le pick. Ça bug. Quand je clique les cartes ne viennent pas certaines. Pourtant j'ai l'espace hein mais. Plus de thunes. Ok. Il m'avait volé un matador doré et c'est bien qu'il meurt lui. Après, flemme de bouffer mon Bran là. Mais bon, en même temps, ouais, c'est la seule carte qui fait pas grand chose en vérifier de game sur mon board. Moi, le Jin ramène des ripop, l'autre a le reset de shield, ouais. Ouais, c'est vraiment si je fais rien d'autre qu'on va. Sans flux triple. Nice, si on matador. Pog. Plus d'oseille. Quel prochain tour? Sait-on jamais, hein? Le démon Uran, c'est pas de l'âme? Oh my bad, j'ai bugué, j'ai cru.
Pas très grave, je t'avoue. Merci Solari pour le raid. C'était Gluto qui jouait, c'est ça? J'avoue, je suis pas trop Smash moi. Je suis surtout la Ligue des Légendes, même si compliqué la dernière game, mais Valo? Ah ok, my bad. Valo non plus, je suis pas. Désolé. Pas très corporate. Ouais, je peux pas tout suivre. Je pense que on est tous comme ça. Il y avait Valo. Il y a 10 par contre qui suit Valorant. 10 démons, il avait commenté du Valo, j'ai regardé.